Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas l'intro originelle de Super Smash Bros. Mon dieu, mais c'est épique! Salut à tous les amis et bienvenue sur ce Super Smash Bros. For Wii U complètement hacké de A à Z. De nouveaux persos au rendez-vous, de nouvelles musiques, une nouvelle intro, de la nouvelle epicness, de nouveaux stages, bref. Un grand pack de modes que nous avons trouvé sur internet et que j'ai un peu modifié, donc... Pour vous... sur cette belle musique, oh là là, la musique de Naruto, et je suis en compagnie de mon frère. Salut. Et on se retrouve sur un Smash donc encore plus fou que fou. Un nouveau Smash super bien, et je vais arrêter ça de le vanter parce que là on va en avoir marre au bout d'un moment. Donc qu'est-ce que contient ce pack? Il contient plein de nouveaux persos, de nouveaux skins, plein de nouveaux stages. J'ai rajouté mes musiques perso parce que les musiques du pack que j'avais téléchargées sont nulles, faut le dire, hein, voilà. Et du coup on se retrouve sur ce Super Smash Bros. Complètement modifié. Avec la petite icône de Bowser en bas à droite, ça fait plaisir. Et donc l'épicness commence maintenant avec cette petite musique de No Game No Life rajoutée, qui est magnifique. Et donc on va jouer avec des petits combats Smash, on se fait une petite vidéo comme ça pour découvrir le jeu, on a juste fait 2-3 parties avant. Et je te laisse du coup aller prendre un perso, n'importe lequel, ou alors on fait un petit aléatoire au début comme tu veux. Pour jouer, on va se mettre les objets, parce que c'est pas fun quand il n'y a pas les objets, parce qu'on s'est mis en fait avec mon frère à jouer plus des combats pro en ce moment. Mais vu qu'on fait là une vidéo un peu plus fun, on met les objets. Et moi en fait, une soudaine envie me demande de jouer Shrek. Ça commence maintenant, tu vois. Oh bah vas-y. Oh, il est beau, Lucario versus Okami. Donc, qu'est-ce que j'ai rajouté dans ce mode? Ouais, il est dégueulasse. C'est un Ganondorf. Oui. Est-ce qu'il y a les voix? Est-ce que t'entends les voix? Oui. Oui, il y a les voix de Shrek. Oh mais arrête. Et c'est quoi la musique? Ah c'est la mine de Wario, tiens. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléchargé ce pack sur internet qui est le Ken Mod Pack. Donc un pack d'un youtubeur qui fait des anglais qui fait des vidéos sur Smash. Et j'ai rajouté des musiques, des petits trucs, mais vu qu'il est packé en fait, ça veut dire qu'il est... On peut pas modifier les choses du pack. J'ai pas pu modifier des choses genre en mode Shulk, que je vais l'appeler Bobby, tout ça, mettre des petits persos, en créer, etc. Je le ferai sur des prochaines versions de Smash, mais j'ai tellement été content hier soir à 3h du matin de voir, d'ailleurs ceux qui ont Twitter ont vu que j'ai posté des tweets super tard, j'étais tellement content de voir que j'ai enfin réussi à mettre un pack sur mon Smash, parce que c'était pas du tout donné à la base de mettre... Attends, écoutez. Vous entendez ce move? Tout a été modifié, ce n'est plus Smash que vous connaissez. Ce n'est pas le Smash que vous connaissez. Oh, cette musique que je joue à chaque fois que je l'entends. Et là, soudain, j'ai envie de me faire un petit Sangoku. Un petit zéro. Ah oui. Isaac de GBA, de Golden Sun. Je sais pas. Donc ce qui est cool, c'est que du coup, on peut rajouter n'importe quel perso. Alors, il n'y a pas beaucoup de persos, voire aucun, je pense, qui ont des moves propres à eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire qui ont des... Bah, c'est juste des skills, des mouvements spéciaux. C'est quoi la musique juste que j'entends? Direct. C'est pas grave, on est sur l'epicness. Alors là par contre il va falloir parler, sinon on va se faire striker la vidéo. Donc bonjour à tous les amis. Vous n'entendez pas la musique qu'il y a en fond, c'est faux. Et donc qu'est-ce que je disais? Donc on peut rajouter des petits persos. Donc on peut modifier leur voix, mais pas encore leur mouvement à proprement dit. Parce que en fait c'est un peu trop compliqué sur Smash 4. Sur Smash Wii que j'avais craqué avant, c'était possible et je l'avais fait. Genre j'avais mis, je sais pas, un bon normal. Oh, putain non, il a renvoyé. Non, recommence pas avec les objets toi. C'est m'énerve. Voilà, j'avais mis des persos qui avaient leur move modifié, genre un petit Bomberman qui balance des bombes, un Mario cheaté, Sephiroth qui balance des météorites. Bon, on pouvait s'amuser. Là, c'est pas encore trop à la mode dans ce Smash parce que c'est encore un peu compliqué. Parce que en plus, c'est toujours les mêmes objets, tu vois, c'est les objets qu'il faut faire en avec 3. Ah, cette musique doit être titan. On la musique et faut jouer. Vite, il faut parler. Il ne faut pas se faire striker la vidéo. Non, oui, j'assume, hein, c'est moi qui l'ai rajouté cette musique. Mais il fallait la rajouter, c'est épique, voilà. Il y a aussi une musique Dragon Ball que j'ai rajouté. Bon, bref, j'ai rajouté plein de trucs. Oh! Bien joué, c'est beau. Je suis pas mort. Et la petite musique de victoire. J'aime. Non. Écoutez, le petit truc que j'ai rajouté. Attention! Voilà, ça fait plaisir. C'est le play of the game. Alors on peut vraiment s'amuser avec Smash, donc vous voyez un peu ce qu'a fait le créateur du mod. Et après ce que je vais faire c'est que je vais télécharger un squelette de Smash normal mais où je peux tout modifier et je vais essayer d'en modifier pas mal quoi. Genre je vais enfin pouvoir mettre, parce que regardez par exemple je vais sur Cloud
Et quand je change, vous voyez, il y a le nom qui change, genre Impa, tu vois. Ça veut dire qu'ici, je pourrais mettre Bobby. Enfin, d'ailleurs, ils sont pas touchés à Bobby, du coup, c'est bon. Parce que si Bobby n'était plus là, vous pouvez être sûr que je n'aurais pas fait... Ouais, j'ai vu. Vous êtes sûr que je n'aurais pas fait de vidéo là-dessus. Je veux Bobby. Oh, je prends Dark Vador, c'est pas mal. J'aime. Ah, on dirait un peu Breath of the Wild. Ah bah ok. Breath of the Wild. Oh, on dirait un peu Breath of the Wild, ping. Okay. Je crois que tu l'as un peu vexé, du coup il s'est transformé, tu vois. Allez, une petite nouvelle map. La map de la fin de Star Wars. Attends, est-ce que ça fait le bruit? Écoute, attends. Si, je crois, hein, écoute. Mais si, il fait la voix de Dark Vador. Ah, la voix. Oui. Je pensais du bruit du... Ah bah il le fait sûrement, c'est juste que nous on l'entend pas beaucoup. En plus t'as vu quand... Ah mais j'essaie de compter. Quand il fait des épées, du coup, quand il fait des mouvements d'épée, t'as vu, il y a le rouge en plus. Ouais. C'est grave style. Mais... Le perso est grave bien fait, faut se le dire. Regardez-moi ça. Mais moi, Link, il est trop bien fait. Ouais. Ah putain, ouais, mais il est grave bien fait. Hein. Parce que déjà sur Wii, tu vois, déjà il y avait des persos qui étaient plus ou moins bien faits. Mais je me suis dit, quand ils vont hacker Smash Bros sur Wii U, ça va être plus difficile à modéliser les persos. Parce que là, c'est de l'HD, ça change complètement. Il faut pas. Même des petites erreurs de texture, ça se voit carrément en HD. Et là, franchement, chapeau les mecs qui ont fait ces mods. C'est qui ton perso? Attends, laissez-moi. C'est Ike ton perso? C'est Ike. Regardez-moi ce Link. Le Link du stand. Non, mais je voulais voir Ganon. C'est la nouvelle tenue de Breath of the Wild. Mais je voulais voir Dark Vador avec le Tanuki, moi. Attends, ouais, t'aurais vu ça qu'une fois dans ta vie. Merde. Tiens, aïe. Aïe. You don't know the power of the dark. Oh, t'as vu, il a respiré. C'est sans en doigt, il est passé du côté obscur. Merde. Non. Direct, quand on joue plus en pro, tu vois, je suis plus nul. Il faut... It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Quand on met les... C'était quoi? C'était une caisse très mal placée, tu vois. Moi, les bons objets me tombent dessus, et là, les mauvais objets te tombent dessus. Oh, c'est style. J'ai même pas vu ce qui m'a tué. Darth Vador. Voilà, je kiffe ce mode. Est-ce qu'on a Jar Jar Binks? Je me rappelle qu'il y avait un mode Jar Jar Binks, leur perso était tout pourri sur Smash normal. Oh, Shovel Knight. Ok, tu veux jouer à ça? Ok, si tu veux. Je fais plaisir aux abonnés. Il est où? Non, c'est le villageois. Hein. Ouais, on fait plaisir aux abonnés. On va faire plaisir aux abonnés et on va mettre la map. Oui, à Megalovania. La map, alors. Vous voyez, cette snap, j'ai mis 3 versions de Megalovania là-dessus. Ça veut dire que de toute façon, on va tomber sur une. Laquelle? Chut. Oh, c'est la vraie. Bon bah parfait. Putain, mais en plus. Mais c'est pas une map d'Undertale, ça? Parce que du coup... Ah bah en tout cas, ça rend bien. Le combat Sense contre Papyrus. Avec bon, même si moi, mon Sense est un peu bizarre. Mais... Ah mon dieu, Papyrus a une queue. Derrière. Mais t'es dégueulasse. Bah, il y avait des Pokémon à cette époque. Undertale, il y a des Pokémon. Oh mon dieu. Je vais en faire des Pokémon dans la tête. Non. Et pourquoi moi j'ai le perso le plus nul aussi? J'ai le villageois. Je rappelle qu'il y a un mode avec un vrai Sense sur sur NES. Et on peut mettre les voix de Sense sur NES. Donc ouais, il y a des trucs que je peux pas avoir comme ça vu que c'est pas moi qui ai fait le mode pack. Mais dans un futur proche, là je voulais en faire une comme ça, au moins il y a une vidéo qui est faite. Vous savez que Smash peut être hacké et c'est génial. Et il y en a pas beaucoup, je pense, des youtubeurs français qui ont fait ce hack. Enfin des hacks sur Smash Bros. Pas beaucoup qui ont réussi à faire des hacks sur Smash Bros, on va dire aussi, parce que c'est quand même la galère. Pour vous dire, hein, ça fait plusieurs jours que je suis là-dessus, et là j'ai fini hier soir à 3h du mat. Comme en témoignent les petites tweets que j'ai lancés. Coucou. Oh, cette musique est géniale. On peut pas se faire copyright, elle est dans le jeu. C'est pas nous qui l'avons rajouté. Olé. C'est dans Mario 3D Land qu'il y a le boomerang normalement. Merci. Merde. Non. Oui. Non. Je voulais le tuer. Bon, Papyrus est plus fort que Sense. On pensait pas, mais si, en fait. Oui, il arrange. Il la porte avec la porte. En fait, il fait semblant de l'arranger, mais il la porte avec la main, tu vois. Cette musique. Et soudain, me donne l'envie d'aller jouer à Tsunami. Enfin, non. Nous avons enfin Ridley dans Smash Bros. Sonic, mais... Nous avons enfin Ridley dans Smash Bros. Bon, il est un peu cheveux.
Oh vas-y c'est génial. Yashinon. Yashinon. Et moi je prends Tsunemiku. Sanic. Alors si il fait le c'est le, ouais, le bruit saturé de Sanic là, à chaque fois qu'il attaque ça va être chiant. Décalé. Je crois. Non, moi j'ai mis Star Fox, c'est pas grave. Et moi je crois qu'il fait les bruits, écoute. Attends, écoute, attends. Ouais, t'entends? Tintin. Bon, ok, est-ce qu'il est fort ton Sanic? Mais qui a créé ce perso? Les fans de Sanic, j'imagine. Mais même! Tu t'es dit, oh mon dieu, Smash Bros vient d'attaquer, vite, faut que je reste à Sanic. Bah ouais. Moi j'aurais plus. C'est la première chose que tu fais. Moi j'aurais. J'aurais plus mis Shadow ou. Mais y'a Shadow! Oh! Y'a tous les hérissons? Y'a même Tails? Il n'est pas un hérisson, mais c'est pas grave. Mais y'a un mec dans. Est-ce que vous avez déjà joué? Est-ce que vous avez déjà vu Atsunemiku jouer au football? Avec le pied en plus! Ah, tu joues au football avec quoi? Attends! Avec ta tête. Oh loup. Même chose que l'hiver. Ous! Non! On fait pas de référence aux blagues des autres vidéos. Oh, ok, le mec balance la vie comme ça. Ouais, c'est parce que moi j'aurais jamais pu l'utiliser, mais toi tu cibles. Oh! La Atsunemiku. Est-ce que ça change de musique quand on fait ça? Non, mais ça tue. Oh, ça... oh non, vas-y, je veux voir Super Sanic. Vas-y. Oh, il se transforme en Sonic normal. C'était un déguisement. Et tu ne me touches pas depuis tout à l'heure. Mais je sais même pas comment on doit faire. Juste te rentrer dedans. Ouais. Sanic était en fait Sonic, mais déguisé. Il te tombe dessus, putain. Et c'est parce que je suis Atsunemiku. Est-ce qu'il y a plus de Team Sanic ou de Team Atsunemiku dans le chat, les amis? Bah moi, mon surnom... Faites du bruit, la Team Atsunemiku. Soutenez-moi. En fait, je suis Team Atsunemiku surtout, donc... Karate dans l'état. Tu te rappelles avec Koopa? Le Harlem Check. Olé. Et bah, Atsunemiku, elle a un fouet. Non. Tu vois qu'il tombe aussi dessus, les objets. Ouais, mais toi, c'est les meilleurs. Toi, c'est des objets cheatés. Non. Oh non, mais oh non, dommage. Boktoa, c'est quoi ce bruit? Attends, la musique. Comment il a... Mais c'est débile. Tu mets ça en miniature de la vidéo, tu vois. Ça passe crème. Tu mets ça en miniature vidéo, mon gars. Play of the game. C'est la petite jouissance à chaque fois, tu vois. Oh, Sacha. C'est quoi la... Oh vas-y, non, faut prendre lui. Ah oui, il est mouillé tout à l'heure. Non, laisse-moi, à moi. Oh putain, hey, s'il fait objection en faisant le Falcon Punch. Ouais, objection. Non, mais prends Robin. Ok, bon. Mais lui, il était génial. Attends, je veux juste voir s'il fait objection. Oh tiens, on va faire la map de Paper Mario, qui est grave bien faite. Ouais, il y a celle de Zelda. Avec la petite musique de Banjo-Kazooie. Attends. Attention. Oh oui. Oh oui, c'est bon. Alors, je vais apprendre à jouer ce perso. Attends, et imagine, il fait les autres. Oh oui, il fait les autres bruits. Il fait Hold It and Exit. Écoute. Oh mon dieu, c'est bon. J'ai mon perso. Meurs. Et toi, qu'est-ce qu'il fait comme vrai, là? Mais moi, c'est gueule, là, tu vois pas. Oh, c'était beau. Il y a de l'action. Phoenix Wright. Un phoenix qui renaît de ses cendres avec du feu. Oh mon dieu. Objection. Ah, il est en 2D. Bah oui. Ah oui, bah tiens, pourquoi il est en 2D d'ailleurs? Bon, pas grave. Après, on n'en peut faire Mario, peut-être. Ah oui, c'est... Oh putain, c'est grave bien fait. Ils ont même... Parce que d'habitude, attends, c'est quel monde? Ah non, c'est Duck Hunt. De Phoenix Wright qui... En fait, vous voyez, les amis, c'est la nouvelle version HD de Mugen. C'est le Mugen Smash Bros. Alors ça, j'avoue que c'était foiré. J'avoue que c'était foiré. Ah, je... Objection. Objection. Je ne joue jamais derrière. Oh. Oh, il y avait les petits badges de Phoenix Wright comme vie en bas à gauche. Oh, je crois que c'est la jouissance là. Oh là là, c'est bon. Alors, vous voyez, il y avait Overwatch, il y avait Propunt, il y avait Murder sur la chaîne. Maintenant, il va y avoir Smash Bros. Non, mais vous, les amis qui voulez du Mugen, bah voilà, on a fait un bon compromis, on a du Mugen Smash Bros. Oh, yes, y'a.
Vas-y, prends Silla, je prends Impa. Mais j'aime pas Bayou tes putes. Ah, Bayou tes putes, ah oui, c'est vrai. Oh, Cloud, il est tellement moche. Vas-y. Pour les fans de Cloud, je pense qu'on va faire une version de cette vidéo, les amis, avec des objets, une version un peu plus pro, on va jouer plus professionnel juste après. Et du coup, je vais jouer Roy, Marc, Roy. Voilà, moi je vais jouer Bobby. Et Ryu, parce que n'empêche, Bobby, je m'en sors très bien avec lui. Oh, la musique de Rosero. Oh oui. Quoi? Je comprends même pas la musique. Je m'en fous, vite, elle est copyright. Il faut parler. Et je connais même pas cette attaque. On s'en fout. Oh, oh, c'était beau. Vas-y, ah, éruption de la musique. Oh merde. Non. Bah, je l'ai pris. Je l'emporterai avec moi. Mais t'as vu, en plus, il y a les petites icônes de Sia et de trucs en bas comme vie. Mais c'est grave bien fait. Les mecs qui ont fait ce modpack, genre Ken, même si tu es l'amoureux de Barbie et que tu es moche, on s'en fout. Mais bravo, tu as fait un modpack génial. Bon, par contre, tes musiques étaient nulles, donc j'ai dû les changer. Mais sinon, à part ça, c'est génial. Oh, c'était épique. Là, et comment je vois bien sentir ma mort. Oh là là, cette pixelisation. Des yeux. On retourne plus vers le Mugen, là, du coup, tu vois. Ça fait musique. Tin, 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 tin. Est-ce qu'il y aurait pas Sora de No Game No Life dedans, tu vois? Oh, il y a Shadow Mewtwo. Oh. Oh. Il est pas Majora. Oh. C'est bon, j'ai trouvé mon perso. C'est un troll, le truc. Il te balance des trolls face. Ah, Mugen. C'est quoi ce truc? Oh, le bruit de Mewtwo. Attends, ouais. Il fait les vraies attaques de... Attends. Attaque. Non, mais il fait des bruits. Ah non. Non, mais il a fait le bruit de Mewtwo, ouais. Genre en mode normal, en mode Pokémon, tu vois. Non, mais ce Metamite, mais regardez-moi ça. Qui a eu l'idée de faire ça? Je suis sûr que ça vient d'un bug, tu vois. Genre, les gens, ils y ont pas pensé à la base, puis... Soudainement, ils sentent l'envie de faire un Wario comme ça. Tu sais, ils étaient en mode... Non. Allez, voilà. C'est bien. Arrête. Ah bah, on joue en match pro ou on joue pas en match pro? Bah, c'est pas en match pro, il y a des... Bah oui, justement. Match pro, je sais pas. J'ai jamais dit qu'on joue en match pro. J'ai dit on joue pas en match pro. Allez, une deuxième. Allez. Oh non, oh. C'est encore entré du vent. Allez, je sais que t'adores le vent. Tu t'en prends plein de toute façon toute la journée, donc bon, pas grave. T'es habitué. Ouch, je le méritais. Tiens. J'ai le temps. Oh. Et la musique. Ah, c'est... Metawa. Metawa. Metawa, Rio. T'imagines, il fait Metawa à chaque fois qu'il attaque. Meta, wa, 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 Meta. Ah, c'est quoi? Oh, Omega. C'est... comment il s'appelle, Rayquaza? Enfin, Omega. Oh, c'est avec son armure dans comment film. Non, mais là, c'est... J'espère vraiment que c'est un rampe B, hein. Non. Prends Rob. Avec le train. Avec le train. Ah oui. Et il fait le bruit. Ah, attends, une bonne map. La Zelda, ah. Avec le pont. Ce combat dans ton joli. Dans ton joli. Oh non, il est moche. Oh, il est moche, je suis déçu. Ah ouais, il est beau. Il fait les bruits, écoute. Ah oui. T'es tout. Thomas le train. Je sais pas si ça s'appelle Thomas en réalité en VF. Oh, moi je suis déçu de mon singe. On m'a habitué à mieux. Ouch. Non, j'ai rien dit en fait. Je suis content de mon singe. A l'aide. Oh, Corinne. Ah ouais. Prends-le. Écoute, c'est gratuit. Vas-y, en fait, il va m'aider. Non, il m'aide pas en fait. Tiens. En plus, il bouge même pas ton train, quoi. Il reste toujours droit. Oh. Oh. Ce météore. Dommage que c'est pas le chaos de fin, mais... Ce météore smash. Tut. Mais t'es sérieux? Qui a l'idée de faire ce train? C'était le kamikaze Donkey Kong. J'ai que toujours une Kunda en bas. Il y aura le train dessus du coup. Olé. Il y a le train dessus. Allez, au revoir ta gueule. Attends. Oh. J'ai pas compris à la fin. C'était Donkey Kong. Trop fort pour toi. Ah regarde, ça va. Ça y est, cette cravate. Ah oui, je l'ai pas fait. Le train il est pas assez grand, tu vas pour tenir. Ah ouais. C'est sur cette musique épique, les amis, qu'on termine notre première vidéo. C'est allé vite, mais j'espère qu'elle vous a plu.
Nous on en fait une deuxième mais un peu plus pro. On a fait avec objet maintenant. Tu croyais que j'allais pas le voir. Oh, à plus les amis, à la prochaine pour un nouveau Super Smash Bros sur Wii U. Et n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu pour qu'on en fasse plusieurs. Suivez-nous sur Twitter si vous voulez voir l'avancement du pack que je ferai. Si j'avais à faire un pack entier, je mettrais peut-être en sur la chaîne en libre service si ça vous dit de craquer vous aussi Smash Bros. Et à plus les amis. À plus. C'était Zekmaster et son frère. N'oubliez pas de partager et mettre un like si ça vous a plu. À plus fidèles Neon Gamers. À plus.